Madame, c'est une offense. Une offense terrible. Alors, je ne vais pas faire un cas personnel, mais mon père s'appelait André Menant. Il a été déporté. Il a été dans un camp de concentration. Il est revenu maigre, un squelette. Il a souffert. Il a tenté de s'évader. Il a été bastonné par les nazis. Et vous m'assimilez à ces nazis. Il a failli en tomber aveugle. Madame, qui êtes-vous pour ainsi diffamer des familles? Madame, vous êtes une irrespectueuse. Mais vous allez plus loin dans votre délire. Parce qu'au quotidien, vous devriez défendre la France. Et la première défense, c'est quoi? C'est la langue française. Or, vous êtes pour l'écriture inclusive dans toutes les municipalités qui sont celles détenues par les écologistes. C'est cette écriture-là qui nous enlève cette capacité de nous exprimer. C'est peut-être pour ça que vous en perdez le vocabulaire. Et également, ce sont dans ces municipalités que vous voulez favoriser le burkini dans les piscines. Si c'est ça, madame, l'esprit de liberté, si c'est ça, madame, être de droite, je suis plus que de droite. Et n'oubliez pas ceux qui ont souffert pour que la France soit libérée.